Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Zoula, peut-être. Je regarde bien avec ce Zoula. Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lanzan Strong est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, la sortie du dimanche pour un gros débrief de ce qui s'est passé dans la semaine et l'actu était assez chargée à vrai dire, donc on a un programme vraiment dense. C'est pour débriefer tout ça avec moi, j'ai Benjamin, salut Ben. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Et Greg, salut Greg. Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous sur le chat, je vois Stradri et LV Cycling notamment. Alors messieurs, on va commencer par l'UAE Tour parce que c'est la course qui s'est terminée le plus tôt dans le week-end, c'est-à-dire hier. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut retenir de la première épreuve, voire le tour de la saison tout simplement? Deux choses. La première, c'est que c'est une course dont je ne suis pas spécialement fan, que je qualifiais de course artificielle, mais qui a trouvé son identité. Avec des sprints, alors on a eu une échappée, miracle, il a peut-être même plus à lui au tour, tellement c'est improbable. Et la deuxième chose, c'est que Pogacar est vraiment monstrueux. Bon, on le savait déjà, mais c'est quand même extraordinaire tout ce qu'il fait. Ouais Greg, c'est vrai que Pogacar a été assez monstrueux, parce que même s'il n'a pas mis une pâtée à tout le monde, pour dire ça poliment, on sent qu'il a quand même dominé, que ce soit Arebel Raïs ou Arebel Afet, dans les deux montées, c'était clairement lui le plus fort. Oui, enfin, sans surprise, j'ai envie de dire, finalement, on a l'impression que c'était quasiment programmé. Mon impression de cette course, c'est qu'il n'y a quasiment pas de surprise sur ce type de montée qui est très particulière. Ça, c'est une sorte d'autoroute à 5 à 6% de moyenne. On a l'impression qu'il était injouable, quoi. D'autant plus qu'on a vu avec ses équipiers derrière, notamment Maïka qui est visiblement en forme. Moi j'ai l'impression, voilà, l'impression que ça donnait, c'est que voilà, Pogacar était totalement injouable, un peu comme d'habitude, mais ça montre aussi que, voilà, qu'il est déjà en bonne condition dès la reprise. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise hein, dans sa manière de dominer, dans sa manière de courir. On a l'impression que tout était écrit, tout était programmé. Ouais, alors je voulais reprendre quelques éléments qui m'ont marqué, Benjamin, pendant cette semaine. Et c'est vrai que cette épreuve de l'UAE Tour, on l'a qualifiée aussi de championnat du monde des sprinteurs, un peu, même si tu l'as très bien dit. Ces derniers se sont fait piéger lorsque Mathias Vasek a remporté son étape. Quels sont les sprinteurs qui t'ont impressionné et, à contrario, qui t'ont un peu déçu pendant cette semaine émiratie? Oh, ben, on démarre. Qui a vraiment été plus que c'était une semaine poussive pour Arnaud Demar. Après, le sprinter qui m'a le plus impressionné, c'est Jasper Philipsen, forcément, avec deux victoires d'étape. Alors, Marc Cavendish a remporté une également, mais on peut noter également que c'est le seul sprint qu'il a fait. Alors, comment on doit le voir ce fait qu'il n'ait fait qu'un seul sprint? Est-ce que c'est-à-dire que dès qu'il voit qu'il n'est pas idéalement placé, il relève? Je ne sais pas. Mais Jasper Philipsen, dont j'avais peur qu'il ne passe jamais un palier, semble quand même être en train de le passer. Ouais, tout à fait, Greg. Et si on peut rester un petit peu sur ce sprinter, c'est vrai que Cavendish a pas toujours sprinté, mais il a été victime d'une chute, je crois, lors de la quatrième ou la cinquième étape, je ne sais plus exactement. Mais l'élément important, côté français, ouais, c'est Arnaud Démare. Et il y a eu beaucoup de débats, parce qu'il y a toujours beaucoup de débats autour de la FDJ. Est-ce que, pour toi, c'était plus la faute du sprinter en tant que tel, de son train, ou un peu des deux?
Oula, ça c'est l'impression que c'est l'éternel débat, ben, c'est peut-être le problème, c'est-à-dire qu'on a l'impression que s'il y a le moindre grain de sable dans son train, eh ben, ça ne tourne pas. On voit souvent ça, et pourtant il a un train, enfin voilà, il a une équipe qui était totalement consacrée à lui. On voit souvent hein, ce débat quand on lit sur le forum, on voit toujours les fans de la FDJ qui font l'analyse du sprint et qui repèrent à chaque fois quel élément du train, eh bien, ça s'est moins bien passé. Voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a l'impression que si jamais toute la mécanique n'est pas bien huilée, tout ne se passe pas parfaitement dans la préparation du sprint, on a l'impression que voilà, il aura toujours un temps de retard, et ça, c'est quand même inquiétant, et voilà, ça reste quand même dommage, voilà, qu'il n'arrive pas, eh bien, même tant pis, à se faufiler, à prendre une bonne roue comme ça. Certains sprinteurs y arrivent, et lui, on a l'impression que, ben non, jamais. C'est vrai que c'est un peu l'anti-Caleb Ewan pour finir là-dessus. Pour rester sur les Français, Benjamin, moi j'ai aussi noté quelque chose qui m'a fait plaisir, parce que c'est un coureur qui est arrivé chez les pros sur le tard, c'est Geoffrey Bouchard qui termine devant Romain Bardet et va chercher un très beau premier top 10 en World Tour. Ouais, c'est un coureur, qu'est-ce qu'il est sous-estimé, et je m'inclus dans les personnes qui le sous-estiment. Il a fait une très solide l'an passé, mais peut-être avec des places entre 11 et 20, ce qui fait que du coup, on ne pense pas forcément à lui. Là, ça y est, il franchit le palier du top 10, avec la manière, on l'a vu notamment sur cette dernière étape qui est arrivée au sommet, où il est lâché assez tôt, et il arrive quand même à revenir sur les coureurs qui le précédaient, qui avaient été lâchés avant, et il parvient à les battre au sprint, avec notamment Romain Bardet. Non, Geoffrey Bouchard, c'est très intéressant. Très intéressant, on va voir ce qu'il fait. Il veut participer au Tour de France. Et il faut quand même rappeler que, mine de rien, c'est un Français, le seul en activité, si je ne me trompe pas, qui est vainqueur du maillot des grimpeurs autour d'Espagne et autour d'Italie. D'ailleurs, j'ai dit une grosse bêtise, parce que je pense que le classement a changé avec les centièmes. Il finit derrière Romain Bardet. Ils sont dans la même seconde. Ils finissent tous les deux à 1,46 du vainqueur, mais Bardet est classé devant. Donc désolé pour la petite erreur. Hein. D'accord. Ouais, ou l'erreur vient peut-être de First Cycling. Enfin bref, c'est pas très important. Ils sont tous les deux dans le top 10. C'est ça le principal. Greg, pour finir sur cette UAE Tour, parce que c'était pas forcément la course la plus intéressante de la semaine, j'avais deux petites choses que j'avais notées. Tout d'abord, Filippo Ganna, qui est battu sur un chrono court par Bisseger, qui semble vraiment être déjà un petit spécialiste de ses cours contre la montre. Et Lucas Plapp, qui, malgré le fait qu'il ait couru ce fameux chrono en vélo traditionnel et perdu, je crois, 1,15 ou 1,16, a été très, très costaud et montre de très, très belles choses pour l'avenir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein, dans les performances à noter, il y a Bisseger, parce que battre Ganna, c'est quand même pas rien. C'est quand même Ganna, je pense que c'était un des meilleurs rouleurs, et en le battant sur, alors c'est un chrono pur rouleur en plus, hein, c'est pas rien du tout, donc c'est une performance à noter. Et tu as raison, chez Ineos, je vais me dire une nouvelle fois, alors le voir gagner, bon, peut-être le championnat d'Australie, c'était pas une surprise, mais néanmoins il a fait plat, puis il fait une performance honorable, notamment sur la dernière montée, puis il fait 5e je crois à Jebel Al-Fit, et voilà, pourquoi pas, il est jeune, donc à voir pour la suite, hein. On sait le talent d'Ineos pour sortir des coureurs, donc pourquoi pas. Et c'est vrai, tu as dit que le contre-la-montre, il est décevant, mais il avait, bon, problème de vélo, il fait centième, et voilà, il n'a que 21 ans, donc à performance à suivre. Donc je sais que toi tu le suis beaucoup, Charles, donc eh ben, on va faire comme toi, peut-être, tu as eu peut-être du nez en nous parlant de ce coureur dès le début de l'année. Ouais, et pour finir sur Ineos et l'UAE Tour, Benjamin, il y a quelque chose qui marque chez cette équipe-là, qui se spécialise de plus en plus dans les jeunes talents, c'est qu'on a l'impression que des mecs qu'on voyait très très bien, comme Pavel Sivakov, mais Tao aussi, qui a remporté le Giro, ou Eddie Dunbar, bah, sont déjà dépassés tellement ça va vite derrière avec les Carlos Rodriguez, les Lucas Plapp ou les Magnus Sheffield. Oui, après, est-ce que ça va les cantonner au rôle d'équipier, je ne sais pas. Pour Pavel Sivakov, il est énormément tombé. Donc à voir, est-ce que les coureurs qui suivent ne vont pas être dépassés à leur tour, ou est-ce qu'il ne va pas y avoir des pépins physiques ou autres? Je le rappelle, plus un coureur passe pro et encore plus en World Tour tôt, plus il y a des risques qu'il se perde psychologiquement, tout ça. Maintenant, à voir, on a déjà vu des coureurs qui commençaient très bien leur carrière et
il y avait un trou avant de réussir à revenir à voir. À voir également la progression des coureurs, mais c'est vrai que Pavel Sivakov, on le voyait énorme, notamment avec sa dernière saison espoir, où il gagne, si je ne me trompe pas, le Baby Giro et la Ronde de l'Isard notamment. Ouais. Là, c'est... Ouais, il est rentré dans le rang. C'est pas qu'il est mauvais, hein, c'est que par rapport aux autres coureurs, il apparaît. Alors peut-être c'est également dû au fait que les courses soient plus courtes. Hein. Ça permet aux jeunes coureurs d'être entre guillemets privilégiés, puisque le cyclisme semble être de moins en moins un sport d'endurance. Ouais, alors Jacques Stradri nous parle de Carlos Verona. Effectivement, Carlos Verona prend une belle sixième place aussi au classement général. Alors Greg, on va passer à la suite et bah, au week-end flandrien, le week-end d'ouverture en Belgique, qui a lieu le Het Nieuwsblad, la nouvelle appellation du Het Volk depuis quelques années. Et victoire, j'ai envie de dire, du grand favori Wout van Aert, qui s'est imposé en solitaire. Oui, c'est un petit peu la journée, finalement, ça correspond. Enfin, voilà, le parallèle avec Pogacar est intéressant. J'ai envie de dire, ouais, comme tu l'as dit, c'est sans surprise. Alors, c'était sa course de rentrée. Alors, évidemment, tout le monde guette, comme on est encore au début de l'année, la reprise, les derniers grands coureurs ou grands favoris reprenaient en ce moment, puisque Roglic a repris en France aussi. Et donc, on a retrouvé dès sa prise de saison, un Wout van Aert en forme, puisqu'il est parti. Alors après, on pourra débattre, est-ce que derrière, ils se regardent ou pas? Est-ce qu'ils ont joué le coup, bien joué le coup ou pas derrière? Mais il est parti, et voilà, quand Wout van Aert part comme ça, c'est très compliqué de revenir sur lui. Donc voilà, sans surprise, mais c'est vrai que c'est un peu la journée de samedi qui était comme ça. Mais l'information, par contre, c'est que dès son début de saison, Wout van Aert est en forme. Ouais, puis Benjamin, moi j'ai trouvé la course plaisante et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que j'ai lu le forum hier et j'étais surpris de voir que finalement les avis étaient partagés. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de manière générale, de ce Het Nieuwsblad? Et Charles, tu sais très bien que je ne l'ai que très peu vu. Oui, donc, parce que tu as jonglé comme tout le monde avec l'Ardèche. Non, j'ai privilégié complètement l'Ardèche. Non, c'est juste ça. Donc je peux pas, je préfère pas répondre pour dire de bêtises. Juste que j'ai été surpris par l'excellent week-end flandrien de Tobias Ludvigsson. Vas-y Greg, je crois que tu avais un... Non, mais juste pour avoir le débat, je pense que c'est le côté quasi programmé qui fait que peut-être certains se sont déçus. C'est-à-dire voir Van Aert partir et les autres, ben, ce que je disais, est-ce que ça joue bien le coup? Alors, certains coureurs, peut-être, on fait plaisir, comme Campenaerts, qui, malgré des soucis mécaniques, eh bien, fait plutôt une belle course. Mais je pense, voilà, ce qui manque aux autres, c'est qu'on a l'impression que le scénario était écrit. Est-ce que le problème, c'est pas que Van Aert a gagné, en fait? Peut-être, mais peut-être dans le côté scénario écrit et très prévisible. C'est peut-être ça qui déplaît. Après, moi, j'ai surtout vu la fin de course. Il y avait quand même fini avec seulement 20 secondes d'avance. C'est vrai que voilà, ben, je comprends que peut-être certains auraient aimé quelque chose plus de suspense chez le vainqueur. C'est vrai que si le grand favori, dès la première course, dès la première flandrienne, il gagne sans contestation possible, voilà, je peux peut-être que certains sont un peu déçus. Maintenant, voilà, il y a quelques beaux coureurs. Voilà, comme je dis, ils font une belle course. Il y a Campenaerts qui est... que j'attendais pas à faire cinquième. Qui n'a pas eu de chance, Campenaerts, parce qu'il y a eu des chutes, il y a eu des crevaisons. Ah, voilà. Et un Rasmus Tillier qui fait une sixième place, un Pasqualone, huitième. Donc il y a aussi quand même quelques belles surprises. Après, ouais, c'est sûr que si on attendait le suspense, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme Pogacar sur Jebel Elfit. Hein. C'est sûr que c'était le scénario qui était le plus prévisible. Est-ce que l'un des enseignements, Greg, et je vais rester avec toi parce que c'est toi qui as le plus vu la course hier, de cette première flandrienne, c'est pas aussi, puis on l'a vu aussi un peu aujourd'hui, je trouve, c'est pas que la Jumbo-Visma a vraiment, vraiment franchi un palier en termes de collectif, que ce soit grâce à Tiche Benoot hier ou à Christophe Laporte aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même quelque chose de plus que l'an passé. C'est un fait, on pourra citer l'autre collectif qui part un petit peu moins fort, c'est peut-être la Quick-Step. Notamment, enfin, Asgreen, moi j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est ça ou pas, mais on sait qu'il a été positif au Covid. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il n'est pas à 100%? Mais oui, d'un côté, enfin, la force du collectif Jumbo-Visma, bien, en relief sur la course de samedi, on a vu à l'inverse une Quick-Step peut-être un petit peu plus faible. Bon, ils sont bien rattrapés aujourd'hui, mais tu as raison de souligner, voilà, que collectivement ils sont bien renforcés.
et ils vont voilà, ça peut faire mal pendant c'est pendant les Flandriennes. Ouais, ça peut vraiment égaliser la lutte, ce qu'on attend, hein, parce que forcément on aime moins quand il y a une seule équipe qui est dominatrice, ça réduit forcément le suspense. Benjamin, on va rester sur les Flandriennes et on fera un gros focus après sur les deux courses françaises du week-end. Greg disait que la Quick-Step s'était un peu trouée hier, et aujourd'hui, bah, je pense que tu as regardé quand même le final de Kuurne. On a pensé que c'était dur à un moment, parce que vraiment, les trois échappés, hein, Narvaez, Laporte et Van der Ende, ont résisté très très longtemps, et malgré le fait que ça a été compliqué, Jacobsen qui sort parfaitement de sa boîte et qui s'impose. Ouais, ils sont pas passés loin de la correctionnelle quand même, hein. Parce que jusqu'au bout, on a cru que les trois échappés allaient jouer la victoire. Et dans ce cas-là, Jacobsen aurait fait quatrième et ça, l'histoire aurait été tout autre. On a vu dans les derniers kilomètres, les Quick Steps sauter un à un, épuisés par la poursuite. C'est quand même une image qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. Je trouve, Ouais, surtout que c'était c'était là où Lampard, Tass Jumbo Green, enfin, Visma. c'était pas des perdreaux de l'année, si tu me passes l'expression. Ouais, mais là où tu vois, on a vu la Jumbo Visma impressionnante sur les deux courses. Je pense que par rapport à son statut, je dis bien par rapport à son statut, la Quick Step a déçu. Ouais, clairement. C'est ton avis aussi, Greg? Ben, ce que je disais, enfin, sur. Pour, enfin, voilà, bon, Asgreen, par exemple, eh ben, on l'a pas vu, alors que c'est le. Il fait quoi? Il fait 76e hier, 84e aujourd'hui. Alors, je répète, est-ce que c'est peut-être le Covid qui l'a affaibli? Alors que c'est le coureur, voilà, ce qui pouvait peut-être tenir tête dans ce profil à Wout van Aert. Donc, alors, il gagne quand même aujourd'hui. On ne peut pas non plus trop les critiquer. Enfin, ça paraît sévère. Mais c'est vrai que, voilà, enfin, voilà, il y a peut-être quelques déceptions, notamment, voilà. Moi, j'attendais beaucoup plus d'Asgreen, par exemple. Alors, il y a plusieurs éléments que j'ai notés un peu, Ben, comme sur l'UAE Tour. Bah, tout d'abord, on est obligé de le constater encore une fois, puis j'en rigole parce que c'est vraiment archi impressionnant depuis le début de saison. Arkea Samsic, ils arrivent à foutre trois mecs dans le top 10. Ouais, et alors justement, je réfléchissais, l'an dernier, tu vois, sans le focus qu'il y avait sur les points UCI, attention, je dis pas qu'ils font une saison, un début de saison quelconque, loin de là. Mais on aurait. Là, on serait en train de se moquer de Arkea. On dirait, putain, ils en mettent 3 dans l'indice, il n'y en a pas un qui arrive à gagner, quoi. Ils font 3 et 4. C'est ça le cyclisme, c'est jouer placé ou jouer gagnant. Et justement, je me dis que encore une fois, ça n'explique pas tout, hein, mais je pense que par rapport à comment était construite l'équipe et le type des coureurs d'Arkea Samsic, je pense que ça doit être plus facile pour eux de jouer placé comme ça. C'est pas la même façon de courir. Je pense que, notamment, tu vois, Hofstetter, on savait que c'était pas forcément le gars qui allait rapporter plein de victoires, mais qui allait rapporter des points. Macklé également. Je trouve ça pas mal, mais au-delà de ça, quand même, ils ont été très forts, même dans la course, hein. Hier, il y avait Mathis Hougvelt qui était pas mal. Ouais, aujourd'hui on retrouve Aujourd'hui, Vauquelin c'était à Kevin l'avant. Vauquelin. Pardon? Oui, pardon, je disais pareil que toi, ouais, qu'on avait retrouvé Vauquelin aujourd'hui aussi à l'avant. Donc voilà, hein, c'est vraiment costaud. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la meilleure équipe de l'année. Pour l'instant, ouais, parce que bon, l'UAE sera devant, mais avec leur effectif, forcément, on les attend. Donc oui, je pense qu'en termes de rapport qualité de l'effectif et résultat, enfin, je ne sais pas si Greg, tu seras d'accord avec ce constat. Pour moi, c'est clairement Arkéa, l'équipe numéro 1 pour l'instant. Oui, tu dis trois fois dans ton blizz, et il faut voir aussi avec quel plateau. Parce qu'il y a quand même derrière, il y a des Nizzolo, des Trentin, des Christophe, des Merlier, des Tennyson, des Stuyven, des Etten-Heiter, je pense, dans le groupe aussi. C'est vraiment, voilà, là, pour le coup, c'est des places d'honneur, certes, mais avec un sacré plateau en face. Et un parcours, somme toute, assez difficile. Ça reste une Flandrienne, donc c'est un final compliqué. Hein, je sais pas, alors, rapidement, moi, j'aimerais bien aussi mettre un focus sur Christophe Laporte, hein, qui passe pas si loin, puisqu'il était encore échappé à quoi, à quelques hectomètres de l'arrivée, avec Van der Horn et le troisième, je m'en souviens plus, Narvaez. Narvaez. Narvaez, oui, c'est vrai, de Ineos. Donc, on est trois coureurs échappés, ça jouait vraiment non plus à pas grand-chose. Hein. Tu parlais de Jumbo tout à l'heure. Ben moi, j'étais aussi content de voir que ben, Laporte, voilà, il a tenté quelque chose, il a tiré son épingle du jeu. Donc, ça aussi, c'est une autre, enfin, pour moi, une des satisfactions. Et pour revenir à ton jeu, enfin, moi, je trouve que la performance, elle est assez exceptionnelle pour eux. Je pense que personne ne voyait Arkea faire enfin, autant de coureurs bien placés sur une course comme Kurn.
Ouais, tout à fait. Pardon, Ben, vas-y, je crois que tu voulais intervenir. Non, je voulais juste te dire, c'est vrai que c'est une course difficile, Kurn. Maintenant, quand il fait beau temps, ça reste quand même une course où la difficulté est amoindrie, hein. Là, on a quand même un sprint de 70 coureurs. C'est quand même beaucoup pour une course comme ça. Oui, tout à fait. Mais à partir. Enfin, alors, attention, je préfère vous dire comment ça s'est passé. Quand j'ai mis donc Kurn après la Drôme. Je me suis dit, bon, ben, ils vont se faire reprendre parce que Kurn, quand il fait soleil et qu'il n'y a pas assez de vent, ça finit toujours au sprint. J'avoue que cette fois-ci, je me suis posé la question, est-ce que ça allait finir au sprint ou est-ce qu'il allait avoir trois coureurs devant quand même? Donc j'ai trouvé que c'était, en tout cas, du peu que j'ai suivi, hein, j'ai suivi les 20-25 derniers kilomètres en intégralité. Après, sinon, je regardais sur mon autre écran comment ça se passait. Je trouvais que c'était quand même une bonne édition. Ouais, finalement, il y a eu plus de suspense aujourd'hui qu'hier, alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse. Tiens, d'ailleurs, je vois Joyeux du Nil qui nous dit que sacré gazier et Vauquelin. Ouais, je vois un peu ce qu'on dit depuis le début de la saison. Kevin Vauquelin, on sent qu'il a un énorme moteur et vraiment, on a hâte de Il a voir ce qu'on. coincé, non, à un moment quand même, Ouais. aujourd'hui. Mais après, bon, comme dit Greg, pardon, c'est vrai qu'il y avait un gros plateau et c'est déjà pas mal de se retrouver avec des Kung, des Asgreen, etc. Je voudrais rester sur les Français avant de rebondir sur Sagan, parce qu'on je vois qu'on nous en a parlé sur le chat et forcément on l'évoquera. Bah Greg, tiens, j'ai été surpris de voir Brian Cocquard, pardon, pas dans le sprint. Est-ce que Brian Cocquard, tu sens là au fil des semaines qui change vraiment de registre? On l'a retrouvé très très bon sur des arrivées difficiles. Mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur une arrivée un peu plus traditionnelle, il n'a peut-être pas la vitesse nécessaire pour aller lutter avec les meilleurs, ou peut-être qu'il a été gêné, hein, peut-être que mon constat est mauvais, mais qu'est-ce que tu penses un peu de ce Brian Cocquart version 2022? Il remarque qu'il est assez régulier sur le week-end, hein, puisqu'il est 41e hier et 40e aujourd'hui. Bah, peut-être qu'on pouvait s'attendre un petit peu plus, mais après, enfin, vu le début de saison qu'il fait, c'est difficile de lui faire de reproches. À voir pour la suite. Alors peut-être qu'on le voit un peu plus haut, mais et puis voilà, vu le plateau, après on ne sait pas l'approche, comment ça s'est fait. On a vu que ça a quand même pas mal bagarré, enfin voilà, quand même sur la fin de course. Peut-être un petit peu décevant, je pense que oui, lui espérait clairement faire top 10. Après, voilà, vu moi, voilà, comme je l'ai dit, hein, vu son début de saison, c'est quand même difficile de lui en vouloir, de lui reprocher quoi que ce soit. Mais après, à voir, est-ce que il sera peut-être plus à l'aise sur d'autres profils de course? Est-ce que c'est ici, il aura encore son mot à dire face à de purs sprinteurs, de coureurs plus puissants à suivre? Peut-être qu'il lui faut voilà, plus de difficultés pour les battre, mais. Ça va être intéressant à suivre, peut-être, oui, Ben, que est-ce que c'est c'est. maintenant un autre profil de coureur. Ouais, Ben, est-ce que c'est ton avis aussi qu'on peut l'attendre plus sur une Flèche Brabançonne, sur un Amstel, Brian Cocquart désormais? C'est compliqué. J'ai été surpris comme toi, hein, de ne pas le voir se mêler au sprint, puisque c'est Consoni qui semble avoir été le meilleur. Alors après, j'ai pas re-regardé le sprint. Donc est-ce qu'à un moment, il se prend une vague et il n'a pas voulu prendre de risque, hein? Je sais pas, je m'attendais quand même à le voir. Là, il n'a pas du tout sprinté. C'est même pas il a raté son sprint, c'est qu'il n'a pas sprinté. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'on l'avait déjà vu, même à l'époque où il était vraiment bon et qu'il avait des capacités de puncher, jouer la gaine sur Gent-Wevelgem. Oui. Donc, je sais pas. Je vais pas me prononcer parce que je sais pas du tout. D'accord. Bon, on va passer à. Je vais te laisser la main, Ben. On va passer à Peter Sagan. Très compliqué depuis le début de saison pour Sagan. Est-ce qu'il est encore trop tôt ou pas pour s'inquiéter? Aussi, c'est inquiétant. Alors après, à quel point le l'a impacté. Mais c'est inquiétant quand même. Là, pour le moment, il fait rien de rien. Alors peut-être qu'il a décalé le pic de forme parce qu'il sait qu'à 32 ans, il peut plus faire une saison entière en étant super fort. Je sais pas. Le point positif, c'est que si lui a beaucoup de mal. Son équipe marche très bien. Après, il a quand même pas beaucoup couru, hein. Il a juste fait le tour des Alpes Maritimes et du Var où ça a été ultra compliqué. Je rappelle que l'an dernier, il reprenait à Tirreno-Adriatico comme première course avec une 11e et une 14e place. Derrière, il était au-delà du top 100. Il va gagner ça. Et derrière, il fait Milan-San Remo. Donc, à voir. Je vais. Allez, on va attendre Milan-San Remo. Mais Greg, est-ce qu'il a envie tout simplement encore Peter Sagan? C'est sévère de dire que voilà, il n'est pas en pré-retraite non plus.
Moi, je suis assez d'accord avec Benjamin, ces courses de reprise. Je pense que maintenant, il va être de plus en plus diesel et je suis pas sûr qu'on le voit au top de sa forme dès ses premières courses. Donc, moi, j'attendrai avant d'avoir un jugement plus approfondi parce que ses premières courses, voilà, l'année dernière, il est à Tirreno, il est pas flambant. Après, on l'a vu un petit peu mieux. Donc voilà, moi j'attendrai encore quelques semaines pour voir, mais maintenant ça va arriver vite, hein. C'est ça le problème, c'est que... Oui, c'est dans moins d'un mois, mais il en saurait moins. Voilà, ça passe très vite, hein, les classiques. Voilà, il est urgent et surtout qu'il fasse mieux que 117e, parce que c'est très très loin quand même. Alors pour finir sur ce Kurne-Bruxelles-Kurne, et avant de passer au week-end français... Et c'est vrai qu'il y a eu le Covid. Ouais, c'est vrai, mais après, comme beaucoup d'autres, hein, finalement, après... Mmh. Tim Merlier, Benjamin, j'ai l'impression que Tim Merlier, il est fantomatique cette année, contrairement à l'année précédente où il écrasait tout sur son passage. J'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Ouais, je dirais même les deux années précédentes. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Il était. Alors, c'est vrai que 2020, c'est très spécial comme année, mais même 2019, il avait remporté pas mal de courses. Je peux pas l'enfoncer alors que j'ai dit qu'il fallait attendre pour Sagan. Il a une deuxième place autour d'Algarve. Lui aussi, il a très peu couru. Mais c'est vrai qu'encore une fois, à Kurn, je le voyais minimum dans le top 5. Ouais, tout à fait. À voir. À voir vraiment. Encore une fois, en plus, avec le secret médical et les équipes qui ne veulent pas forcément toutes communiquer sur ça, ce que je comprends, on ne sait pas qui a eu le Covid, qui l'a pas eu, s'il y en a qui l'ont plus subi, etc. etc. Donc, attendons. Oui, parce qu'après, bon, ça fait un peu mauvais chasseur et mauvais chasseur, mais il y a ceux qui ont eu le Covid et ceux qui ont eu le Covid, quoi. On peut être asymptomatique ou on peut l'avoir vraiment avoir morflé pendant une semaine. C'est vrai que c'est différent. Non, mais c'est vrai que je ne me mouille pas, mais pour les Flandriens et pour les sprinteurs qui ont très peu couru, je préfère quand même attendre. Ouais, alors, par exemple, je te prends un autre exemple qui n'est ni Flandrien ni sprinter, mais Thibaut Pinot qui va faire l'estradé parce qu'il y a une suspicion qu'il ait eu le Covid la semaine dernière. Peut-être qu'il va prendre une grosse branlée, mais tu ne pourras pas tirer de conclusion, surtout s'il a eu le Covid avec l'organisme qu'il a. Donc je peux pas me dire, bon, Pinot, on va attendre de voir parce qu'on le connaît, il a l'organisme pas terrible. Et derrière, enfoncer des coureurs comme Sagan ou Merlier sans savoir trop ce qu'ils ont eu. Sachant que Sagan, on sait qu'il a eu le Covid avec symptômes. Donc, ouais, je sais pas trop, je me mouille pas trop. D'accord. Je fais le Rigoberto. Ouais. Voilà, ben on va passer aux boucles de Romardèche, puisque c'est l'appellation des deux épreuves qui ont lieu ce week-end. La Faune-Ardèche classique, tout d'abord, qui s'est déroulée hier, Greg. Et victoire d'un homme qui est, lui, par contre, très en forme depuis le début de saison, c'est Brandon McNulty. Voilà, il est parti à quoi? À 25 km de l'arrivée. Tu l'as dit, très en forme depuis le début de saison. J'ai l'impression. Enfin, il a gagné en Espagne, il a été même régulier dans les tout premiers, il fait deuxième sur l'Algarve, et là encore, il part tout seul à 25 km, et derrière, que ce soit les Van Sevenant et les Sepkus derrière, ou peu importe les poursuivants, ils ne sont jamais revenus, on ne l'a jamais revu. C'est un petit peu comme ça déjà qu'il avait gagné en Espagne. Donc voilà, moi j'ai trouvé impressionnant. Après la question, c'est jusqu'où va-t-il. Enfin, quel futur pour lui, parce que... Bon, il sera sur Paris-Nice, il sera sur le Romandie, il devrait être Tour de France en tant qu'équipier. Mais après, voilà, la question que je me posais, qu'est-ce que UAE va faire de ce coureur qui semble un bon rouleur, bon grimpeur. C'est la question que je me pose, parce que est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt aussi parce que Paris-Nice arrive d'ici 15 jours, donc ce sera bien, mais après, il faudra qu'il soit avec ce même niveau de forme les mois suivants. Donc voilà, c'est vraiment à suivre, est-ce qu'il pourra être aussi fort et qu'est-ce que UAE va faire de ce coureur dans les mois ou les années à venir. Ouais, c'est vrai que Ben, c'est la question qui se pose un peu pour McNulty. Est-ce qu'il est en forme trop tôt ou est-ce qu'il a vraiment, à ton avis, franchi un palier depuis quelques mois? Il est vraiment impressionnant au niveau endurance et résistance. Maintenant, ça reste de la moyenne montagne des courses vallonnées. Où je pense qu'il va peut-être. Où c'est peut-être là, pardon, qu'il développe le maximum de ses capacités. Par contre, je ne sais pas si ce coureur deviendra un coureur de grand tour. Je ne réponds pas du tout à ta question, je me raconte. C'est pas grave. Mais. Non, alors peut-être. Après, c'est quoi ses objectifs? Peut-être
C'est Paris-Nice, jouer le général. Et donc, du coup, il pourra faire une pause pour reprendre en Romandie, pour aller accompagner Pogacar sur le Tour de France et la Vuelta. Donc... ouais, probablement, ouais. Ouais, donc... à voir. C'est vrai qu'il fait un super début de saison. Surtout sur les courses d'un jour. Moi, je pense qu'il est vraiment impressionnant, surtout sur résistance et endurance. Peut-être qu'il n'avait pas l'occasion de trop exprimer l'an passé. Ouais, c'est vrai qu'il est assez impressionnant. On va rester sur la faune Ardèche classique. À vrai dire, je ne l'ai pas trop vu parce que moi, hier, je me suis plutôt concentré sur le Het Nieuwsblad. Mais il y a quand même deux, trois trucs que j'ai notés en regardant le classement et ça va faire le lien avec la course d'aujourd'hui. D'ailleurs, on va peut-être en parler en même temps. Greg, Guillaume Martin, vraiment impressionnant. Moi, je l'ai trouvé très, très bon aujourd'hui, très, très costaud et il n'était pas loin de la gagne. Et hier aussi, il a fait un beau numéro en terminant cinquième. Oui, il termine cinquième. Donc. Effectivement, il termine dans les premiers, un bon classement, un bon début de saison pour lui aussi. C'est plaisir de le voir à ce niveau-là dès le début de saison, parce que c'est vrai qu'on l'attend beaucoup plus sur les grands tours. Il me semble qu'il était beaucoup plus loin l'année dernière, je crois qu'il fait top 20, mais beaucoup plus loin. Donc effectivement, là aussi, c'est prometteur pour Paris-Nice, et ça peut être assez intéressant à suivre pour, dans les semaines à venir. Donc c'est une des satisfactions, effectivement. Que ce soit cinquième hier ou deuxième aujourd'hui, voilà, Guillaume Martin, ça fait partie des satisfactions du week-end. Ouais, et puis tiens, il y a deux Français que je voulais évoquer avec toi, dont un qui est vraiment la grosse hype, et je sais que tu l'apprécies, hein. Le coureur de Nice Métropole Côte d'Azur, André Amif Sud, qui fait encore deux places d'honneur hier et aujourd'hui. Ouais, alors, vite fait pour Guillaume Martin, c'est très grosse forme, et surtout qu'il a dit qu'il ne voulait pas être en forme trop tôt. Mais c'est l'un des premiers hivers qui fait sa blessure. Et pour André Amif Sud, c'est super ce qu'il fait parce que ça permet de faire exister son équipe. Et même dans les finales de course, pas seulement dans les échappées. J'aime pas dire échappées publicitaires, mais on l'a vu sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var, il fait 18e du classement général, 25e du Tour de la Provence. Et là, sur les deux courses, il fait top 30 sur les deux. Aujourd'hui, à l'attaque, il était en contre avec je ne sais plus qui d'ailleurs, peut-être Jérémy Cabot. Non, c'est vraiment ça permet de faire exister l'équipe sur les classements généraux. J'avais peur qu'il n'ait pas d'équivalent à un coureur comme Louis Barré chez Nantes. Chaque fois, je compare les deux parce que les deux sont sponsorisés par une ville et qu'en plus ils sont nés au même moment. Mais je trouve ça très bien. Et en plus, autre chose, alors je sais que Greg et Baptiste ça va les faire soupirer, mais. Du fait de sa chevelure, de sa crinière, il est facilement reconnaissable également dans le peloton. Si tu le vois en échappée ou quoi, t'as pas besoin d'avoir de voir apparaître son nom, tu sais que c'est lui. Ouais, c'est un coureur qu'on va suivre, mais c'est vrai que ça pourrait paraître anecdotique, ses places, mais pour une formation de Conti, c'est tout sauf le cas. Surtout que le plateau était quand même énorme en Ardèche. Oui, tu retrouves Roglic, tu retrouves Kuss, tu retrouves McNulty, Martin, les FDJ, enfin Ayuso, beaucoup de gros coureurs et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors, je vais enchaîner avec Greg. On va rester sur un Français, parce qu'il y a aussi une grosse hype autour d'un jeune coureur français. C'est Romain Grégoire qui a fait ses premiers pas chez les pros ce week-end. Et bon, pareil, c'est anecdotique, mais il a quand même eu le mérite de pas trop mal terminer ses deux courses. Et finalement, d'exister tout simplement, Greg, sur ses boucles de Rome Ardèche. Oui, 34e et 38e pour ce week-end. Donc, c'est régulier, jamais trop perdu, jamais trop loin. Donc, effectivement, là, il doit être à quoi? Il finit à 1,30 à peu près du vainqueur. Ça veut dire qu'il était dans le groupe de Roglic jusqu'au pied de la dernière bosse. Voilà. Donc, évidemment, à 19 ans, alors, évidemment que c'est prometteur qu'on voit des jeunes coureurs sortir de tous les pays. Et bien sûr, nous aussi, on attend un Français jeune qui, dès 19 ans, eh bien, se met en valeur. Et forcément, on a regardé les performances de Romain Grégoire avec un œil un petit peu acéré. Donc, on est évidemment, voilà, ça va être à suivre. Après, c'est aussi très intéressant de voir comment eh bien, la FDJ va gérer son calendrier. Je ne sais pas ce qu'il a prévu par la suite. Je crois qu'il y a la Classique Loire Atlantique. Il y aura probablement le Tour de l'Avenir, le Baby Giro, probablement. Enfin, je dis ça, je crois, c'est ce qui est annoncé. Oui, probablement la Ronde de l'Isard, toutes ces épreuves, le Val d'Aoste peut-être, enfin, toutes ces épreuves pour les moins de 23 ans. Donc évidemment, on suivra ça et c'est bien, je trouve, voilà, que la FDJ ben, lui donne sa chance sur des courses comme celle-là assez régulièrement dans la saison pour le permettre de se confronter au plus haut niveau parce que c'est comme ça qu'on progresse.
C'est quelque chose qu'on n'a pas fait assez finalement. Tu l'as dit, maintenant les distances sont au niveau pro sont souvent moins longues qu'avant. Donc il y a peut-être moins d'écart, enfin moins de. Le gap est plus facile à passer qu'il y a quelques années. Donc évidemment, à suivre, et je pense que tous les fans de la FDJ aussi l'attendent. Ouais, alors on va passer à la course d'aujourd'hui, Ben, si tu le veux bien, à moins que tu aies un mot à dire sur Romain Grégoire, mais sinon, ça me permet une transition parfaite pour une autre jeune pépite, c'est Juan Ayuso, qui a quelques mois de plus seulement, qui a été à l'aise hier et très très costaud aujourd'hui. Il était très très fort aujourd'hui, c'est lui qui fait la sélection dans le col, alors le col de, je crois que c'est le col Alex. De Grande Limite. Comment ? Dans Grande Limite, ouais, tu as raison. Grande Limite, et derrière après il rattaque dans la côte suivante de Robert, ou je sais pas trop quoi. Et il fait péter le reste de l'échappée. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la course, dans le plus grand col du jour, il sort à Vingegaard et il y avait également Victor Laffey. Mais il a énormément roulé. Alors, à la fin, il était sec, hein, mais on voit pour sa deuxième année chez les pros que vraiment, là, il a passé un palier. Il est encore très jeune. Et pourtant, il est déjà à la lutte pour la victoire, ou quasiment, avec les meilleurs. On rappelle quand même qu'il était échappé avec Vingegaard, alors certes pas très vieux, mais qui est un coureur qui a fait second du Tour de France l'an passé. Donc c'était vraiment intéressant, même s'il a calé dans le final. Alors quand je dis calé, il a vraiment calé dans le dernier mur, puisque même les Martin et Cosnefroy le dépassent, le déposent sur la dernière ascension, mais... très très intéressant au-delà de la place, pardon, dans l'attitude. Ouais, il y a un autre coureur que je voulais évoquer, c'est forcément le vainqueur du jour, Greg. Et plus que de parler de sa course, moi j'avais une grosse interrogation suite au dernier Tour de France par rapport à Jonas Vingegaard. C'est est-ce qu'il réussirait à confirmer, parce qu'on sait que c'est toujours souvent le plus compliqué de confirmer l'année suivante. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça part plutôt pas mal pour le Danois. Ah, ça part même très fort, hein. C'est vrai qu'alors, peut-être plus collectivement, des Jumbo-Visma, qui avait quand même une grosse équipe sur ces deux jours de course. Puis c'était la reprise de Roglic, il y avait Samunen, Kreuzweig, Sepkus. Donc c'était vraiment l'équipe, on va dire, au moins une partie d'équipe destinée à faire le Tour de France. Et donc, on a l'impression que autant hier, c'était Sepkus qui a joué sa carte, autant aujourd'hui, c'était à Vingegaard. Tu l'as dit, il confirme, c'est vrai, évidemment qu'on attend qu'il confirme, parce que qu'est-ce qu'il peut faire, son premier Tour de France, il finit deuxième, et on a l'impression qu'il en a encore, qu'est-ce qu'il a encore sous le pied, quoi. Donc ça fait partie, lui, on parlait de jeune coureur, il a déjà 25 ans, mais j'ai trouvé assez impressionnant, parce que comme l'a dit, avec Ayuso, ça allait très très vite, hein. Il a fallu vraiment s'accrocher, derrière aussi, ça a roulé fort. On parle aussi déception, mais à la Philippe, il n'a pas pu suivre, pris de crampes. Donc voilà, moi j'étais assez impressionné de le voir aussi en forme finalement sur cette étape, et aussi par la Jumbo-Visma qui tous les jours a réussi à placer quelqu'un devant. Ouais, justement, tu évoques Julien Alaphilippe, Benjamin. À la Philippe, on l'a vu se faire péter le caisson autour de la Provence en essayant de suivre Nairo Quintana. Là, aujourd'hui, il y a encore des crampes. Est-ce que c'est inquiétant à l'approche des Strade Bianche ? Parce que les Strade Bianche, c'est dans 6 jours désormais. Non, il était très fort. Alors, de ce que j'ai pu voir, de ce qu'il a pu se dire après la course, Guillaume Martin disait qu'Alaphilippe leur a dit très vite qu'il était le moins fort des trois. Bon, il fallait quand même être dans les trois. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils se sont mis dans le mur, là ? Et ils sont sortis. C'était quand même violent. Ouais, et donc, Alaphilippe leur a dit qu'il était le moins fort, mais apparemment, ils se sentent toujours redevables du titre mondial d'Imola. Donc, du coup, il a roulé pour eux, quoi. Hein. C'est donc, vrai que Martin et Cosnefroy étaient là. Hein. Ouais. Et ils avaient fait un gros travail. Hein. Et du coup, il s'est mis à la planche. Bon, il savait qu'il allait exploser, mais bon. Voilà. Donc, non, je pense pas que ce soit... inquiétant, il fait quand même. Alors, qu'il se fasse exposer de caisson par Nairo Quintana, même en 2019 sur son super Tour de France, il s'est fait exposer de caisson sur le Prat d'Albis, quelque chose de sévère
en essayant de suivre d'abord Thibaut Pinot et Bernal, et ensuite, je ne me rappelle plus qui, mais bon, il est coutumier du fait. Il fait quand même deuxième de la Provence, cinquième aujourd'hui. Non, il est dans les temps de passage, j'ai l'impression. Surtout qu'il. Enfin, non, rien de. J'allais dire, il fait Tirreno qui est après Paris-Nice, mais bon, c'est un jour d'écart, donc. Oui, comme nous dit Shiori Matt sur le live, les objectifs de la Philippe sont encore plus loin dans la saison. C'est vrai qu'en dehors des Strade Bianche, après, il y a encore un petit peu de temps avant Milan-San Remo, puis les Ardennaises qui sont au mois d'avril. Donc là aussi, il y a encore de la marge. J'avais noté, Ben, je te laisse la main là-dessus aussi. Alexis Villarmo qui semble, pardon, revenir à un bon niveau de forme et qu'enchaîne les bonnes performances, je trouve, depuis quelques semaines. Ouais, bah écoute, quand on regarde les courses qu'il a participé, c'est-à-dire il a fait Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Fon Ardèche, Drôme, au général des trois courses, il ne fait pas au-delà de top 10. Donc il a 33 ans, il a quand même eu des années minées par les blessures. Si ça pouvait le laisser de côté, c'est un super puncher français. Je pense qu'il a perdu de ses capacités de grimpeur, mais niveau puncher, il est toujours là. C'était celui qui était le plus proche d'accrocher le trio Martin, Cosnefroy. À la Philippe, quand ils sont sortis, il y a pas manqué grand-chose, mais bon, il n'a pas réussi à accrocher. Et quand même, derrière, il arrive encore à faire le premier du peloton qui était derrière, en battant des gars comme Guillaume ou Barguil, qui sont quand même très en forme. Donc c'est bien, hein, c'est intéressant à voir ce qu'il fera sur notamment les Ardennaises. Ouais, alors Greg, pour finir sur ces boucles de Drôme Ardèche, j'ai pointé trois noms de jeunes coureurs. Ben en a cité un, c'est Biniam Guirmet. Mais aussi, il y a Stefano Aldani et Quinn Simon, je trouve, qui ont aussi montré de bonnes choses et qui montrent, justement, pardon pour la répétition, qu'ils devraient être là pour les places d'honneur ou pour les accessites, au moins dans les semaines à venir. Oui, Aldani fait un beau week-end. Puis c'est 17e en Ardèche, 8e sur la Drôme, donc de top 20. C'est un coureur qu'on connaît assez peu, mais c'est vrai que on l'a pas trop vu. Voilà, l'année dernière, on l'a un peu vu chez Lotto, mais finalement. On n'a pas 100 performances marquantes, donc ça va être un coureur à suivre. Je l'ai dit, Guirmay, évidemment, c'est un coureur qu'on suit beaucoup depuis 2-3 ans, nous. Donc forcément, on est assez content pour lui. Donc oui, alors c'est l'occasion, effectivement, pour ces coureurs-là de s'exprimer, de les suivre. Quinn Simons, alors bon, l'année dernière, la saison a été un petit peu tronquée. On n'a pas beaucoup vu, finalement. Peut-être un petit peu décevante sa saison. C'est un coureur qu'on sait qui est un gros moteur, mais qui est un petit peu fantasque. Donc on ne sait pas du tout à quoi on peut s'attendre avec lui. On a l'impression qu'il est capable de tout sur une course. Donc voilà, ça peut aussi des coureurs à suivre. Mais il a seulement 20 ans. C'est vrai qu'on va en parler maintenant. On a des coureurs de 19, 20 ans qui arrivent à être très performants sur des courses. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas finalement il y a quelques années. Donc maintenant, au fur et à mesure, on sera de moins en moins surpris. Mais c'est une nouvelle tendance hein, qu'il faudra prendre en compte. Maintenant, on peut avoir 19, 20 ans et être très performant sur les courses et ce dès le début de la saison. Ouais, alors tiens, je voulais toucher un mot d'ailleurs d'une équipe française qui a gagné sa première victoire de la saison, Ben, cette semaine sur les routes du Tour du Rwanda grâce à Alan Boileau qui avait déjà gagné trois étapes, je crois, l'an passé. Mais BND Hotel, je regarde les classements et j'y pense en même temps, inexistant en Europe depuis le début de la saison, il y a vraiment zéro performance, quoi. Ouais, c'est une catastrophe. Alors pour Alan Boileau, je dirais que je pense qu'il s'est remis en forme sur les routes du Rwanda. Donc là où il était rentré, je pense, crevé, ça va pas être le cas cette année, mais c'est très compliqué pour BNB. Hein. Ah, parce que là, Bonamour, le premier de l'équipe, est 41e. Ouais, Bonamour. C'est poussif, c'est compliqué. C'est compliqué et. On a des. Il leur manque, je pense, un grand leader. Alors, Bonamour, ça devrait être ce leader. Bon, le pauvre, il revient quand même d'une grosse chute. Hein. Donc on va certainement pas l'accabler, surtout qu'il a fait 13e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var il y a quelques jours. Mais. Je sais pas. On avait Schoenberger qui était pas trop mal hier, mais il a réussi à tomber tout seul, apparemment. Koraksky, je compare toujours avec Clément Berthet. On est loin de Van Der Poel là quand même, hein, pour paraphraser. On est loin de Van Der Poel quand même en termes de niveau là. Oui, non, mais là encore une fois, c'est Pinot qui. Qu'est-ce qui va dire ça? Alors on va pas y revenir parce que sinon on va y revenir chaque semaine, mais même si Koraksky gagne une course d'ailleurs. Hein.
C'est ridicule. Oui, parce que le but, c'est de rester factuel. Et c'est vrai que Greg, là, je regardais en même temps que Benjamin parlait les résultats. On pointait cette 41e place de Bonamour aujourd'hui. Hier, on ne les a pas vus. Et je regardais le Het Nieuwsblad. Le premier, il fait 26e, c'est Mozzato. Aujourd'hui, c'est Warlop 25e. C'est vraiment, sportivement parlant, le néant, quoi. Oui, c'est inquiétant parce que tu parles du Rwanda, je crois que même enfin. Même vu la concurrence, oui, c'est quand même. Oui, au général, le minimum premier, recul, quoi. Rocky, pardon. C'est Pierre Roland qui finit, je crois, très loin, quoi. Il finit. J'ai regardé, je crois qu'il finit. Ils ont fini à deux, je crois d'ailleurs. Alors sachant qu'il y avait Laurence qui était très bien placé, qui a abandonné suite à une douleur au genou. Mais 17 minutes autour du Rwanda, enfin c'est. Ou alors, tu vas en touriste, qu'ils le disent clairement, mais c'est quand même inquiétant globalement, surtout quand on voit à l'inverse une équipe Total Energy ou une équipe Arkea, qui sont beaucoup plus performantes. Oui, alors, même Eriks, qui met Tiller dans le top 10 hier au Nieuwsblad. Il y a peut-être des moyens supérieurs, mais quand même, voilà, ils ont quand même quelques coureurs qui valent mieux que ça, j'ai l'impression, chez BND Hotel. Et que tu as raison, voilà, c'est. C'est inquiétant, moi aussi, je suis un petit peu déçu de leur début de saison, où il n'y a pas grand-chose finalement à se mettre sous la dent. Ouais, parce que là, quand on regarde un peu les classements, pardon Benjamin, je t'ai coupé, je finis juste là-dessus, tu vois, même une équipe comme Cairn Pharma, qui a pourtant moins de budget et qui est moins forte sur le papier à la base, et ça va me permettre de faire la transition avant de te donner la main, Ben, sur le Grand Camino. Là, je vous mets les résultats sur sa course. Elle arrive à mettre deux coureurs dans le top 10 du général, quoi. Oui. Oui, vas-y, Ben, du coup, je t'ai coupé tout à l'heure. Pour BNB, le point positif, bon, au-delà de la victoire de Bolo, c'était ce que faisait Axel Laurens. Bon, il s'est blessé, bon, mais c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'il va peut-être falloir attendre pour cette équipe des courses, entre guillemets, moins relevées. Alors, je ne parle pas de point 2, hein. Je dis, c'est juste qu'en début de saison, vu que tout le monde reprend, tout le monde veut se jauger, c'est des courses de très très haut niveau. À partir de Paris-Nice-Tirreno, là ça y est, il y a les gros objectifs World Tour, les grosses équipes se dispatchent un peu, et là il y a plus de place pour une deuxième catégorie de coureurs. Ce qu'on n'avait pas ces deux dernières années à cause du Covid, puisqu'il y avait des courses qui étaient annulées, donc tout le monde était sur les mêmes. Là, normalement, à partir de la semaine prochaine, allez, dans 10 jours, on va commencer à avoir des courses un peu moins relevées en plateau. Là, il va falloir espérer qu'ils arrivent, si ce n'est la victoire, à faire des accessites pour reprendre confiance. Parce que je pense que pour les coureurs, ça ne doit pas être facile. Tu te prends des tirs chaque fois. Alors, il y avait Bonamour autour des Alpes-Maritimes et du Var qui fait 13e. Mais bon, ce n'est pas top 10 non plus. Ça va être compliqué. Tu as la tête au fond du saut. Tu ne sais pas pour qui rouler parce qu'il n'y en a aucun qui arrive à faire top 10. Bon, après Pinot, je ne sais pas si il leur met la pression ou quoi. Chacun se fera son avis, mais je pense qu'il leur faut vraiment un premier résultat pour commencer à embrayer. Arkea, on pourrait dire ce qu'on veut, mais pareil pour Total Energy, même Cofidis, tu as des résultats sur lesquels t'appuyer, tu as des spirales vertueuses qui se créent. Tu as des gars, ils voient les copains marcher. Ah ben nous aussi, on peut marcher, on les a vus en stage, on a roulé avec eux, on sait comment ça se marche. Là pour moi, il n'y a pas de résultat. Oui, parce que tu vois, même. On peut prendre Gazprom, qui a une moins bonne équipe. Gazprom, ils enchaînent quand même un pas trop mauvais début de saison, et mine de rien, ils ont gagné en World Tour cette semaine, quoi. Bon, après, là, c'était une échappée, je pense. Oui, ça reste une échappée, mais je veux dire. Qui aurait pu y être, mais. Mais toujours dit qu'ils n'y étaient pas et que pour Romain, ils sont qu'à une victoire cette saison. Il n'y a que Alain Boileau. Ouais, que le Rwanda, ouais. Ouais, c'est alors, vrai que c'est. Encore une fois, le seul que j'aime. Là, il y a un coureur que j'aimerais voir. C'est Axel Laurens qui se remette bien et parce qu'il fait un début de saison assez correct. Mais pour le reste, les coureurs qui doivent faire des résultats ne sont pas là. Et je ne vais même pas mettre pour le temps, puisque Pierre Roland, quand même, il a peut-être fait un peu son temps. Il a apporté énormément à l'équipe en termes de visibilité. C'est probablement en grande partie grâce à lui qu'ils sont sur le Tour de France. Il a été bien gentil de rester également, puisqu'il s'est pris dans la tête par Jérôme Pinot. Bonamour, il revient de blessure. Mais maintenant, les Jonathan Hiver, ils ne sont pas là. Koretsky, il faut lui laisser, je pense, un peu de temps. Mozzato, il n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer. Maxime Chevalier, ça va un peu des fois, et après ça va moins bien.
Je pense qu'il est... Je pense qu'il faut attendre pour les Coupes de France. Ouais, il faudra attendre, et puis bah, comme pour d'autres, hein, on verra pour la suite de la saison. Donc rapidement, je donne le résultat du Grand Camino, parce que je vois que l'heure tourne, c'est Valverde qui s'est imposé devant Woods, c'est Marc Padoun qui a remporté le chrono. À noter la belle performance des pensionnaires de la Cofidis, qui place trois mecs dans le top 10. On va passer à Il y a d'ailleurs le premier résultat de Yon Izagirre qui était tombé autour de la Ouais, garde. autour d'Algarve, malheureusement. Et puis, comme je disais, Kern Pharma qui met deux mecs dans le top 10 ici aussi, dont Avec Igor Igor Arrieta Arrieta qui a fait une qui a l'âge de super Romain contre la titre Grégoire. avant. Qui Mais alors, imagine. par contre, tu vois, Igor Arrieta, par rapport à Romain Grégoire, justement. Alors l'an dernier, il était espoir 1, il a pu faire le tour de l'avenir, tout ça, donc il a pris de la caisse, mais ils n'ont pas non plus énormément, hein, puisqu'il est de décembre, je crois que Grégoire est de janvier, ils ont un mois de différence. Maintenant, le niveau qu'il y avait en Gran Camino était quand même bien moindre qu'en Faune. Ça n'enlève rien à Igor Arrieta, mais peut-être que Grégoire aurait pu faire un top 20 sur cette course. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, très belle perf des coureurs de Kern Pharma. Et on va passer à la suite, les gars, si vous le voulez bien. La suite, c'est bah, les courses de la semaine. On a notamment le Samin mardi, le Trofeo, l'Aiguglia. Et surtout, le week-end prochain, on enchaîne avec deux grosses courses, puisque samedi, vont avoir lieu les Strade Bianche et dimanche Paris-Nice. On va laisser Paris-Nice de côté, parce qu'on aura largement l'occasion d'en parler dimanche prochain. Mais je voudrais votre avis sur les Stradé. Est-ce que vous adorez toujours autant cette course, Greg? Est-ce qu'elle vous fait toujours autant envie? Oui, évidemment, on va pas par son originalité. Finalement, c'est devenu une classique récemment. Donc, on suivra parce qu'on a vu aussi différents types de coureurs capables d'y briller. Donc, évidemment, c'est une course voilà, qu'on attend. Bah, c'est toujours une belle startlist. Finalement, on a l'impression qu'elle plaît aussi aux coureurs. Et ça, c'est intéressant parce que si la startlist est de qualité, si les coureurs sont voilà, vraiment volontaires pour y aller, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire qu'elle plaît aux coureurs. Et qui sont ravis d'être là et qui vont aussi peut-être un peu plus faire la course, hein, qui ne sont pas là parce que parfois on envoie les coureurs sur des courses, ils ont moyennement envie d'y être. Là, pour le coup, on a vraiment, voilà, on sent vraiment qu'il y a des coureurs qui veulent gagner les Strade Bianche, ils veulent vraiment inscrire leur nom au palmarès parce que les paysages, les terres, les routes blanches, l'arrivée. Donc mythique, c'est vraiment d'ancienne, forcément. Enfin, la course est en train de construire sa propre histoire avec un palmarès quand même, des noms palmarès hein, qui font saliver. Ouais, tout à fait. Alors, on va passer au prono. Ben, si tu le veux bien, tu vas commencer. La startlist n'est pas encore connue, mais on a tous déjà une idée des principaux favoris. Ton podium bah pour ces Strade Bianche version 2022. Voilà, Philippe. 1-1. Pogacar, non. Pogacar en 1, Alaphilippe en 2. Et en 3, Barguil, parce que la Arkea marche super bien. Greg, ton prono, puis donnez-nous sur le chat aussi votre pronostic. Ah, j'aurais bien dit aussi Pogacar, mais après je vais un peu chanter. Moi j'ai vu un Bilbao très en forme sur la Bahreïn. Donc il y avait un outsider un peu pour changer un peu d'Alaphilippe et des Pogacar. Je suivrai particulièrement Bilbao et en troisième, allez, Cosnefroid. Eh ben moi, je vais essayer de changer parce que je crois quand même pas mal en une victoire de Pogacar, mais je vais dire quelque chose de différent. Je vais dire allez, Tom Pidcock pour une surprise devant Van Aert et Surprise entre guillemets. Hein. entre guillemets, oui, c'est pas une vraie grosse surprise. Et en troisième, pourquoi pas ouais, Benoît Cosnefroid, tiens, ça me tente pas mal. Sachant, tiens, au passage, vite fait sur l'Aiguiglia, si je ne me trompe pas, ça sera la première pour les fans de la Groupama. La première en équipe 1 de Lenny Martinez qui devrait donc faire comme Romain Grégoire, faire sa première course Ouais, qui fait partie des jeunes avec les pépites de la Conti. Eh bien, messieurs, il me reste à vous remercier pour cette émission. On va se donner forcément peut-être quelques rendez-vous dans la semaine, notamment avec Grégory. On va faire un point sur le classement World Tour, parce que là, il y a eu, enfin pour la course au World Tour, parce qu'il y a eu énormément de points distribués. Donc,
forcément, ça va être intéressant à suivre. Si vous voulez préparer l'émission qui aura lieu mardi ou mercredi, on verra en fonction de nos dispos. JCB, sur le topic du forum, le topic dédié, a mis à jour le Excellent travail. classement. Ouais, excellent travail, le JCB, on le dit jamais assez. Et son classement est déjà à jour. Donc, si vous voulez avoir un aperçu de ce classement, allez sur le forum et Et vous juste pour aurez. l'instant, Van Aert ne fait pas l'estradé hein, pour le moment. Bon, j'y crois moyennement, faudra voir. Hein. Je ne remets Pour pas en l'instant, cause ce il que n'y est nous pas, dit mais. l'ami Delgato, hein, bien entendu, mais faudra voir. Les programmes sont Vous forcément savez pourquoi refinables. il fait pas l'estradé? Parce qu'il fait Paris-Nice. Ah oui, il fait Paris-Nice cette année. Bah, je retire ce que j'ai dit. Alors, Delgato a raison. Van Aert ne sera pas au départ d'Estrade. Et donc, ton pronom, il est Donc, déjà non, faux. mon pronom n'est pas bon. Mais de toute façon, il aurait été Bravo. mauvais, quoi qu'il se passe. Donc, c'est pas très, très grave. Messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis, on se donne rendez-vous pendant la semaine pour une nouvelle émission. À plus. Salut Charles, salut à Soirée, au tous. revoir.